Nous allons en fait collecter les cheveux des salons de coiffure qui sont à l'origine de diverses problématiques environnementales et nous allons en extraire la kératine, kératine qui va servir à répondre à la demande grandissante du marché cosmétique et biomédical pour régénérer la peau des grands brûlés par exemple. Capillum, c'est un acteur de l'économie circulaire, drivé par le progrès, c'est du progrès environnemental, c'est du retour d'industrie en France, c'est du progrès économique et surtout c'est du progrès médical. Chaque année en France, il y a 3200 tonnes de cheveux qui ne sont pas valorisés. Ça représente 57 millions de litres. Et quand on sait qu'un kilo de cheveux est composé à 95% de kératine, bah finalement, c'est toute cette kératine-là qui n'est pas utilisée pour le médical. On a envie de participer activement à la protection de l'environnement, de faire changer les, changer les choses. On permet aux, aux coiffeurs de rentrer dans une démarche éco-responsable. C'est une démarche qui profite à tous. C'est un nouveau type de, de modèle d'entreprise. Il y a 90 000 salons de coiffure en France. Quand on sait que bah, la Poste a une certaine proximité avec les coiffeurs, ça nous permettra de passer à l'échelle nationale et qui plus est de fitter avec les valeurs éco-responsables du groupe La Poste. Ça va permettre à Capilum d'accélérer beaucoup plus vite sur le plan logistique, dans le but d'améliorer plus rapidement les soins des malades et notamment des grands brûlés. C'est un défi, c'est au quotidien, c'est euh, voilà, sport hein, et c'est euh, exaltant. On se pose des questions, mais surtout on va, on va chercher le concret. On va rencontrer les, les hommes du terrain, on va voir quelles sont les véritables problématiques. Et une fois qu'on a identifié cela, bah, on met en place un plan d'action et, euh, et on avance. C'est de grandir et de rassembler tout le monde dans la démarche Capilum.